blanc costume qu'il disait. Ce serait bien qu'il disait. Bonjour, bonsoir YouTube, comment on va? Voix off, ce n'est pas un doublage français mal fait, ne t'inquiète pas. C'est simplement, je me suis filmée dans la voiture, je me suis rendu compte qu'on n'entendait strictement rien, alors j'ai décidé de faire une voix off. Comment vous introduire cette vidéo? Disons, c'est une vidéo qui est bien attendue sur ma chaîne, par moi-même déjà parce que j'ai hâte de finir le montage, mais aussi par mes proches qui m'ont accompagnée tout au long de ces faits de Napoléon III, mais également par ceux qui suivent cette série depuis le début. Donc la vidéo que tu es en train de regarder, bon, pour résumer tout ça, j'étais en train de dire que j'étais sur la route, nous étions vendredi 17 juin au matin, pour aller à Vichy afin de préparer tout ce qui est stand, tout ça, et ensuite d'amener toutes les affaires à la loge, d'aussi voir tout le monde au niveau des groupes, que ce soit à la cour impériale, le ballet, et puis d'autres amis qui vont venir nous rejoindre sans forcément faire partie des assos. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites et dites et qui se sont faites en fait durant cette journée. Répétition, rangement, installation, etc. Donc voilà, ça allait être une journée assez chargée pour le commencement des fêtes Napoléon III. Anastasia Javotte de retour. Émilie non plus. C'est ça, c'est vrai. Bon. Alors, on en est où dans ce jeu? Je plus. Alors, on explique. J'ai trop chaud, je vais mourir. Ça se voit pas du tout sur nos visages, en plus, on est aussi rouge que le marbre, c'est merveilleux. J'ai tout le sang qui m'est monté à la tête. Non mais bon, en vrai c'est drôle, je suis contente d'être là. Je suis très contente d'allonger sur ce carrelage qui est extrêmement frais. C'est la meilleure partie que j'ai touchée depuis ce matin. Les fêtes de Napoléon III, c'était comment? Le carrelage merveilleux. C'est ça, voilà. Puis bon, bah, demain en costume, voilà quoi. Full outfit. Ce soir c'est juste le bal, mais là demain. Tu fais le bal toi? Si, je le fais. Ouais, je vais y aller un peu. Je pense pas trop tard, mais je vais y aller un peu. Ouais. Mais j'ai archi la fois, j'étais tellement poisseuse de transpiration, j'ai pas envie de me dire qu'il faut que je me lave pour me recostumer, redanser et re-être poisseuse. Oui, déjà qu'on a fait ça avec Fia, j'ai mon goût là. Tu sais, je m'affronche comme un couille ça, non? En vérité, j'ai récupéré sur internet des trucs de canet calonne, mais j'ai fait plein de tresses du coup pour rajouter sur le chignon et faire un giga chignon, genre à la Sissi un peu, Sissi impératrice. C'est bien ça. Ouais. Par contre, c'est un peu chiant à coiffer, ce qui fait que j'en avais plein qui me restaient, et plutôt que les jeter, en fait, j'ai fait deux boules pour pouvoir les cacher dans les oreilles, tu vois. Allez, valide, allez, valide. Les grosses oreilles de cocker là qu'on a. Waouh. Voilà, ça va être incroyable. J'ai trop hâte, voilà. C'est les pratiques, les trucs de perruque. Est-ce qu'on a hâte d'être en costume? Non. Absolument pas. Vraiment. Est-ce que j'ai hâte d'aller dans les thermes? Oui. Oh là. J'irai pas du tout, j'ai pas assez d'argent pour ça, très clairement. Il y a pas la monnaie, on va juste devant, on va pas dedans. C'est ça, on fait style, mais genre il y a archi pas la monnaie, les gars. Voilà. Bah écoutez, on est par terre pendant que les gens dansent, c'est bien. Les gens motivés et studieux. C'est ça. Ce n'est pas notre cas. Les gens dansent et on est là, hein. On est là. Voilà, voilà. Présence. Bah, je suis désolée pour ton vlog parce que vraiment avec ma vieille tête. Ouais, non, mais depuis le début, de toute façon, c'est n'importe quoi. Oh putain, mais des recherches, tu vas t'amuser aussi. Hein. Ouais. Là, quand tu vas dérocher ça, tu le verras et donc tu verras mon message d'encouragement parce que je sais que tu seras en train de souffrir. Et genre, je crois en toi, Émilie, donc n'abandonne pas quand tu verras ça. Tu pourras prendre un chocolat, boire de l'eau. C'était le reminder de quand tu seras en montage. Voilà. Allez, on est parti. Oh là. Et qui c'est qui a la bouteille à la main?
Explique. C'est vendredi soir, j'ai très mal aux pieds. Il fait frais, on est bien là. J'ai le hockey, merci David. Et là, je pars pour 5 heures de sommeil. Non, 6. Oh, 7. Non, 6. La nuit va être courte, mes enfants. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Ah, j'ai retrouvé ma voix. Si ce matin j'avais une voix de camionneur, mon ami. Bon, nous sommes samedi.
Il est 8h moins 5. J'ai Angélique qui passe me chercher. Allez, chut. Regardez, là, j'ai un truc. Qu'est-ce que c'est? C'est mon toutou? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. Je te trouve pas très aimable quand même. Non mais ça reste entre nous. Mais tu vois, entre nous, je trouve que c'est pas très 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 aimable. Tu me ouffes pas, moi. Moi, on me ouffe pas, madame. Bon, aujourd'hui va être chargé. Et aujourd'hui, vous avez un plan d'enfer. Hein. Normalement, j'ai fait une belle vidéo. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Parce que, bon, là, ici. Donc, voilà. Mais j'ai encore la voix des camionneurs, quand même. C'est pas totalement parti. Angélique, je pense qu'elle s'est perdue sur la route.
Thank you.